السلام عليكم ورحمة الله. وأخيرا أنني غادي نبدأ إن شاء الله ميزا برونتيساج ديال 5e année de l'enseignement primaire. Alors ميزا برونتيساج donc la page 12. Alors d'abord on va observer les images et ensuite on va voir le titre les, et de quoi va parler et on va réfléchir ou bien غادي نخمنوا علاش كيدوي هذا لو تيكست هذا. Alors بالنسبه للصفحه numéro 12 la page 12. Alors d'abord j'observe et je découvre observer les photos. Alors on observe des photos donc la, et le titre de texte et le texte. Alors quel est le titre de ce texte? Alors le titre c'est celui-là, célébrité marocaine. Alors 1, alors page page 12. Alors 1, quel est le titre de ce texte? Alors le titre c'est le titre est célébrité marocaine. Célébrité marocaine du monde. Du monde. Alors, donne un adjectif de la même famille de que célébrité. Alors, l'adjectif les houa célébrité beda chneya, yani wahed chars les houa ma'rouf fil alam. Idan célébrité, célébrité aussi mumkin goulo célèbre ou bien connu pour les masculins et eux pour les femmes ou bien pour les féminins. Alors, question 2, c'est d'après toi, ce texte va raconter une histoire ou bien va donner des informations. Alors, on va voir des images ou une célébrité marocaine, donc il va me donner des informations. Alors, 3, 2, ce texte va donner des informations. Alors, 2. Alors, troisièmement, alors comment s'appelle-t-on le cours texte en italique après le titre? Alors, qu'il y a le titre, ou qu'il y a le petit texte, les rois qui t'ma le court texte qui est ma chapeau. Alors, on croit plusieurs personnalités marocaines vivant dans différents pays du monde font la fierté du Maroc. Elles sont présentes dans plusieurs domaines politiques, sportifs, scientifiques et artistiques. Alors, c'est un résumé de le texte. Alors, on l'appelle alors le court texte en italique s'appelle chapeau. Alors, à quoi sert-elle, Radin Jo? Il sert à résumer. يعني كيعطينا واحد الريزومي ديال التكست. ريزومي لو تكست اي اوسي انكوراجي سي انكوراجي على لا ليكتور. الوغ 4 الوغ دو كومبيان دو بارتي سو تكست ايتيل كومبوزي. الوغ عندنا لا بارتي الاولى اللي هي الكور. Alors là, 2, 3, 4, alors 5, alors de 5, 4, c'est de 5 par partie. Alors je vais lire le texte. Alors, célébrité marocaine du monde. J'ai déjà lu ça, c'est le cours ou bien le chapeau. Alors, Najat Valo Belkacem,
est né le 4 octobre 1977 à Bnichiker, au Maroc. Son père, Ahmed, a émigré en France au début des années 80, en 1982, et elle le rejoint avec sa mère et sa sœur aînée, Fatiha. Il fait des études de droit puis de sciences politiques. Elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Alors, Najat Belkacem, Rahia Zedet Flamgri, où l'abdiela Hajar immigré, yani Hajar Fransa, où tu peux être, yaw l'om diela, ou l'ocht diela. Alors, hier les quatre tabars, aoul, mraa, les hier quatre charlements civils diel, wazirat, tarbia, ou t'alim, Fransa, ou l'enseignement supérieur, t'alim l'ali, ou les recherches en France. Yani hada houa l'chidma diela. Alors, Hakim Ziyech, deux. Donc Hakim Ziyech est un footballeur international marocain. Il est connu pour être un joueur doté d'une excellente qualité de passe. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat des Pays-Bas, où il a obtenu le soulier d'or en 2018. على صعيد العالمي ومعروف يعني باللعب ديالو وهو اللي حقق منه او لا خذا واحد الجائزه اللي هي القدم الذهبي في 2018. Alors voilà, passionné d'histoire et de science depuis son plus jeune âge, Kamel Oudriri arrive aux États-Unis à la fin des années 1980 pour ses études supérieures. En 1993, il devient le premier Marocain à intégrer la NASA, où il occupe le poste d'ingénieur en télécommunication. Il a reçu un prestigieux prix dans le domaine des sciences et de la technologie spatiale. Alors, Hadi Oudriri, عالم لا نازا واصبح انجينيور يعني مهندس في التليكومونيكاسيون يعني في الاتصال وخدا واحد لو بري يعني واحد الجائزه في هذا الدومين ديالو ديال سيونس اي تكنولوجي سباسيال. Alors cinquième partie, dans le monde de l'art, quand on parle d'humour et de comédie, les noms qui apparaissent sont ceux de Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. À l'origine du Jamel Comedy Club et du Marrakech du Rire, Debbouze fait ses premiers pas dans le cinéma à l'âge de 17 ans. Né en 1971 à Casablanca, Gad Elmaleh grandit en sein d'une famille juive marocaine. Elle a joué au Maroc, au Canada, en France et aux États-Unis. ني هادو هما لي بارتي ديال لو تيكست. الوغ هنا كملت القرايه ديال التكست، دونك غادي نمشي للصفحه رقم او بيان باج 13. الوغ لا كيستيون سي دو كي بارل طون دون لو برومي باراغراف، يعني البرومي باراغراف كان كيهضر لينا على الوغ 1 باج 13 1 il nous a parlé de Najat Valo بالقاسم. Alors deuxième question. Alors quel poste de travail l'a rendu très célèbre؟ يعني اشنا هو البوست اللي خلاها انها تولي مشهوره او لا معروفه؟ alors le poste اللي قرينا في هذا لو تيكست هذا c'est que il est le poste de ministre d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France.
Alors, هذا هو الإجراء أنها تكون مشهورة. Alors, troisième question, c'est quelle personnalité vit aux Pays-Bas? Alors, la personnalité اللي قرينا عليها في Pays-Bas, c'est Hakim Ziyech. C'est Hakim Ziyech. 4. Alors, quelle récompense ce sportif a-t-il reçu? Sportif. Il a obtenu le soulier d'or en 2018. Alors, il a obtenu le soulier d'or en 2018. Alors, on va à cinquième question. Alors, qui travaille dans le domaine scientifique? Alors, domaine scientifique, les Karina, que Kamel Oudriri, ou Ali Khtemf, le domaine scientifique. Kamel Oudriri. كنحاول ما امكن انني ندير بغيف او ميم طون انني نشرح مزيان. الوغ لا سيزيام كيستيون سي كيل بوست اوكوبتيل على نازا؟ بوست دانجينيور دو كومونيكاسيون قريناها. بوست دانجينيور انجينيور دو تيليكومونيكاسيون. En télécommunication. En télécommunication. Septièmement. Alors, numéro 7. Alors, à quel domaine artistique appartient de Bouz et Gadlemel? Alors, ben, il appartient au domaine de l'art de langage. Il appartient au domaine de l'art du langage. Ce sont des humoristes. Alors, la huitième question. Qu'en es-tu d'autres informations sur ces personnalités? Alors, échange-les avec vos camarades. Alors, pour huit, mon kinzi de là, مثلاً, نجات بالقاسم. نجات بالقاسم rêvait d'être journaliste ou avocat. Avocate. Alors, هادو على الأقل أننا أعطينا بعض المعلومات على نجاة بالقاسم. Alors, qui sont les personnalités citées dans ce texte? Alors, qu'il y a Najat Belkacem, Hakim Ziyech, Oudriri, alors Kamel Oudriri, Oudriri, Jamel Debbouz, et Gad El Melh. Et Gad El Melh. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que ces personnalités ont en commun? Ils sont très connus. Alors, ils sont connu ou bien Moumkin Golo sont des célébrités ou bien des célébrités. Alors la troisième question, dans quel pays du monde vit Hakim Ziyech? Alors Hakim Ziyech Pays-Bas et Najat en France. En France. Alors, quatrièmement, quelles sont les passions de Kamel Oudriri? Il est passionné
d'histoire et de science. Alors voilà les questions de compréhension. Alors c'est lexique. Alors non, qui le lexique, le vocabulaire. Ou non, je lis à haute voix. Alors, choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades, justifie ton choix. Alors, Alesh, on va choisir, par exemple, Yana jat Belkacem ou bien Loudghiri. On va choisir un, donc on va choisir Loudghiri. Donc, la justification, c'est... Alors, Alesh, on va choisir un, par exemple, Belkacem ou bien Najat Belkacem ou bien Loudghiri. علاش parce que le chemin de succès alors chemin il exige la patience et l'endurance. Alors, le chemin de la patience exige, le chemin du succès exige la patience et l'endurance. Et l'endurance. Adawa, la justification est d'y aller. Alors, ce texte parle des personnes marocaines. Wesh, ils doivent rentrer au Maroc. Un achsien, oui. Ils doivent rentrer au Maroc. Car on a besoin de leur expérience. Alors, je m'évalue. Sur quoi ce texte nous informe-t-il? Alors, il nous informe sur les célébrités marocaines. Alors, deux des personnalités du texte ont été sacrées, il y a les premiers marocains. De qui s'agit-il? Alors, ont été sacrés premiers marocains, depuis s'agit-il? Alors, de qui s'agit-il, pardon? Alors, c'est Kamel Oudghiri. Et Najat Belkacem. Alors, grâce à quoi Najat Vlo Belkacem est-elle devenue ministre? Alors, grâce à ses études, de droit et des sciences politiques. Alors, dans quel domaine a brillé Gad? Alors, le domaine, artistique. Iden, la page 12 et la page 13. كنتمنى انه الى عجبكم الطريقه ديال الشرح ديالي انني نستمر باش نحط ميز ابرونتيساج. شكرا على تتبع ديالكم القناه وراني درت مجهود باش نحاول ما امكن انني نواكب بالنسبه اللي عندهم ميز ابرونتيساج في الفرنسيه. اذا شكرا لكم على تتبع ديالكم القناه وما تخلوش عليا باللايك وبالبارتاج القناه مع اصدقاء ديالكم وشكرا لكم.